Dans une nouvelle année, je me suis dit qu'un calendrier, ça serait quand même assez utile. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. Également de partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Également à activer la petite cloche, mais je pense que vous commencez à connaître la chanson. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce DIY, vous aurez besoin d'un morceau de carton, d'un calendrier imprimé, du joli papier coloré, de plusieurs washi tape, du fil pour bijoux ou du fil de fer, un cutter, une règle, un crayon, de la colle, une paire de ciseaux, une perforatrice, de la colle chaude et pour finir des étoiles autocollantes ou de décorations que vous aurez chez vous. C'est parti! Commencez par prendre votre calendrier imprimé et vous allez mettre tout autour du washi tape. Juste pour information, j'ai imprimé le calendrier sur des feuilles de papier canson de façon à ce que ce soit beaucoup plus rigide et facile à manipuler. Une fois que c'est fait, découpez le contour de vos calendriers. Avec votre perforatrice, venez faire deux petits trous. N'hésitez pas à mettre les feuilles les unes sur les autres pour que ce soit les mêmes distances et faites la même chose pour tous les autres mois. Maintenant, vous allez prendre votre morceau de carton. Et ça va être l'étape la plus délicate entre guillemets. Donc commencez à faire un trait à 7 cm, puis un deuxième à 17 cm, un troisième à 2,5 cm, un quatrième à 17 cm et pour finir un dernier à 6 cm. Pour la largeur du support du calendrier, j'ai décidé de faire 16 cm. Voilà ce que ça donne. Maintenant, découpez-le avec votre cutter et n'oubliez pas de faire également les fentes en appuyant légèrement avec votre cutter pour éviter de complètement le découper de façon à ce que ce soit plus simple pour le plier. Maintenant, on va passer à recouvrir avec du papier et du washi tape le support. Prenez maintenant votre fil pour bijoux ou votre fil de fer et découpez un petit morceau. Pliez-le de façon à obtenir un demi-rond, on va dire. Et refaites cette opération une deuxième fois. Donc voilà le résultat. Prenez maintenant vos mois du calendrier et vous allez les mettre à l'intérieur de vos anneaux. Collez la base de votre support avec la colle chaude. Placez votre calendrier sur le support et fixez-le avec la colle chaude.
Et dernière étape, il ne reste plus qu'à décorer votre contour avec des petites étoiles ou alors avec ce que vous avez. Vous pouvez mettre des perles, faire des dessins, enfin là c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et voici le résultat, un joli petit calendrier pour une nouvelle année. Roller coaster ride.